Aroussia entendait les bruits de la forêt. Sa grand-mère, elle, les écoutait. Sa grand-mère, elle, leur répondait. Aouka, petit éventru, bois de la glace fondue et balaye sa maison avec une patte d'ours marron. Grand-mère, sur ordre du tsar Nicolas II, nous vous ordonnons de quitter au plus vite votre maison. Votre village va être détruit par la ligne du Transsibérien qui va passer par là pour rejoindre le lac Baïkal. Ne détruisez pas son village. Contournez la forêt, je vous en conjure. Mal à l'aise, le gouverneur. Elle était impatiente de parler de ses exploits à son monstre. Espérons que le Bouka vienne me tirer par les pieds cette nuit.